la journée à Versailles. On est arrivé à Versailles. Moi je la gèle. Il fait froid, c'est la journée qui a annoncé le plus chaud, il a annoncé 28, mais on se la gèle. Genre il fait ce matin il faisait 12, là il y a plus de soleil, il fait plus chaud, mais 12. Il a annoncé 28. Anyways, je vous montre. Ça c'est Louis. Lui c'est Louis. C'était la chambre du roi. Intéressant. Parce que comme ça, il était le centre du château. Alors, on arrête de faire une dégustation. Je leur fais une dégustation en fait de riz au lait vanné de La Ferrière. Ici, Carrefour Bio riz au lait. Et ici, c'est semoule au lait. Je pensais que ça ressemblait à du genre pudding et tapioca, mais en fait, non, c'est vraiment de la semoule. Enfin, c'est quel que vous préférez à date? Tu l'as en vitre, c'est sûr qu'il est plus qualité. Ouais, La Ferrière. Lui, il goûte quelque chose de maison. Celui-là, il est plus. Celui-là, il est comme trop sucré. Ouais. Celui-là, il goûte plus le riz. Celui-là, il est vraiment comme crémeux, moi, sucré, machin. J'aime bien lui, mais il a vraiment un goût de. Sa crème, c'est pas la crème. Ouais. C'est moi là? Ouais. Non, la crème, c'est pas la crème. Alors, on mange en s'en allant au Louvre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Louvre. Et après ça, c'est la Tour Eiffel. Mais ici, la Tour Eiffel, t'es obligé de faire la file pendant. Même si t'achètes les billets en avance, t'es obligé de faire la file genre 5 heures jusqu'à temps que tu te rendes à la Tour Eiffel. On va voir ce que ça donne. 2 heures. Ouais, peut-être pas 5 heures, là. Peut-être pas 5 heures, mais quand même long, là. Waouh, tu vois tes chalamets. Ça va-tu là? Ouais. Fait que c'est ça, c'est le plan d'aujourd'hui. Le Louvre et la Tour Eiffel.
Et de nouveau, on s'en va à Cézanne parce que maman, elle s'achète, ben, elle les a commandés parce qu'ils n'étaient pas en magasin, des belles petites chaussures salon. On était censé aller au Louvre, mais finalement, c'est fermé jusqu'à 14h, mais finalement, peut-être 13h. On sait parce que là, Macron, il est là. Il a décidé de faire son rendez-vous là-bas. On fait du shopping avant et après, on va peut-être essayer. Parce que tout le monde qui ont leur bien annulé, ils vont y retourner. Fait que s'il y a trop de monde, on ne pourra même pas y aller. Et on a notre rendez-vous à notre... Faut quand même être à temps pour la Tour Eiffel. Alors, on va voir. On va faire ce qu'on peut. On est à faire du shopping juste les trois, Phoenix, maman et moi. Et là, on est dans un super beau parc. On a comme pris des petits chemins. Puis on s'est rendu ici, c'est super beau. On est supposé rejoindre bientôt Jemma et papa parce qu'on va aller attendre pour le Louvre. Mais là, on cherche un peu pour manger. Maman est allée récupérer ses chaussures qu'elle avait commandées au Cézanne. Voilà. Oh, on est bien ici. On attend de voir quand est-ce qu'on pourra aller au Louvre. Le bordel. Ah, j'avoue qu'il y a moins de monde, hein? Alors, on a enfin réussi à entrer. À cause que le président était là, on a fait la file finalement pendant longtemps. En fait, c'est surtout papa qui a fait la file, avec maman qui allait faire coup de shopping. Puis là, on arrive, là, il change 5 fois la file de bord puis de place, fait qu'on est rendu un peu plus loin, mais en tout cas, finalement, papa il nous faisait une traduction. Donc, la plupart du monde, c'est les touristes qui parlent un peu français. Mais tout ça pour dire, leur gestion était de la merde. Fait à cause de ça, ils arrivent et ils disent « Oh, tout le monde qui sont genre plus tôt qu'une heure et demie, ça se casse. Vous avez fait la file de genre 3 heures pour rien, retournez chez vous. » Finalement, parce que, qu'on est là. Fait que... Imagine son amour, mort des gens, ce don. C'est-à-dire le top.
le top. Ça, c'est un gros. Creeper. Non, mais il y en a qui l'ont en fait. Ah, c'est vrai, on est en train de creeper. Alors, on est dans un resto. Ça bouge comme, presque comme à Vancouver. Ouais. C'est, j'ai envie, c'est parce que t'avais un cheveu dans l'œil. Merci, à te dire merci. On est, il est quelle heure, maman? Il est 11h et on est en petit resto. Parce qu'on avait faim. Merci. Et les épiceries étaient fermées, alors on se prend un petit. Et de vin. On se commandait des bonnes pizzas, 3 pizzas. Je vais vous montrer. Super. Je vais vous montrer quand ils arrivent. Donc 3 pizzas, une margarita, une quatre fromage, une truffe. J'ai mal fini, ils ont une conversation agitée. Tu veux passer? Oui, donc il dit bah, mais c'est comme, non, pas beaucoup, il dit jamais beaucoup, il dit kacha. Kacha, fais les coups, grâce. Et voilà, le mec arrive, il dit vive le Québec, dites sa vie à Céline Dion. Ouais, ouais, Québec libre. Je vais prendre la bouchée. Ok, let's go. On commence par la bouchée. Ah ouais. C'est-tu bon? Alors, on est à la gare du Nord de nuit. Après avoir mangé nos bonnes pizzas, hop, on rentre à la maison. Dernière journée à Paris, demain on prend l'avion pour Montréal. Yo, hey, alors on est ici au rond d'érable. On va aller en Montréal. J'ai envie de manger du sirop d'érable, de boire. Oh, mais Eden, wow, et manger de la poutine. Enfin qu'on ait pu sans gluten, les roues de tracteur. Ah oui, allez, mais bon, dis-nous qu'ils sont faits demain là. On va dans de l'eau. Pourquoi on va là? Parce qu'il y a plein de toutous de Jelly Cat. Puis Jelly Cat, comme vous le savez, c'est la qualité. C'est les meilleurs. Moi, j'en ai déjà acheté un quand on était au musée de Versailles. C'est une petite fraise qu'on a appelée fraisinette, parce que j'aime fraisinette, puisque c'est une fraise, c'est logique. Puis là, Phoenix, il veut en chercher un. On en a vu quelques-uns dans les magasins, mais c'était pas ceux qu'il voulait. Fait que là-bas, il se faisait de l'avant-genre. Oui, il y avait ceux que je voulais, mais je me suis dit, je vais attendre. Moi, resto. Parce que là-bas, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il faudrait avoir beaucoup de sortes. Moi, j'hésite entre peut-être prendre un autre une pizza. Puis les pizzas, elles sont vraiment belles. Ou juste un fruit ou légume par rapport, là. Mignon. Fait que je vais voir. Oui, c'est mignon, c'est sûr. Alors, on genre, la pizza était belle, là. Quand ouais. Même. Moi, j'avais vu une orange qui était trop mignonne.
pas trop chaud par contre. Allô. C'est juste parfait. Ah oui, dis-moi ce que t'as acheté. On a fait le tour pour trouver des jelly cats. Les jelly cats, c'est définitivement les meilleurs toutous de la terre. Ouais, on fait une collab avec eux sans qu'ils aient demandé pour la collab. Ouais, on se fait, on a qui nous sponsor. Voilà. Ok, oui. Jelly cat. Alors une jelly belle cat. Petite essai. Jemaine, je sais pas trop c'est quoi en fait. Et maman, elle dit c'est bête à carte là, machin même. Ouais, ouais. Et puis Jemaine, toi, tu veux te contrer? Non mais Big, on faut le partager hein. T'es sûr? Parce que là. Comment tu le montres, tu vois? Tu es la coupable. Il peut danser, fais-le danser. J'ai trouvé que Géraldine fait très bien. Ah oui, tu fais un stylé, Géraldine. Aussi de Jelly Cat, voilà. Et moi, j'avais la fraise que je t'ai déjà montré, que j'avais acheté à Versailles. Alors, Nini, tes impressions? On n'est pas à Versailles ici. Non, mais ça, c'est bon. Oui, c'est pas le bon. Biscuit! Attends, il y a une croix? Non, pas une croix, il est juste tombé. Oh là là, ça va tomber. C'est sûr, ça va tomber. C'est... Ah, c'est mou. Ok. Wow, total. Moi, je peux-tu manger cette partie-là? Ouais, là, tu peux. Moi, je. Ok. Wow, c'est fou ça. Alors, si on compare aux red cookies que tout le monde parle à Londres. Ben, là, ils sont meilleurs. Eux autres sont meilleurs, c'est ça? J'avoue qu'ils sont. Faut donner l'adresse crémeux. C'est la boulangerie. C'est genre du petit caramel. La parisienne. Ouais, la parisienne. Il y a du petit caramel dessus, des gros morceaux de chocolat fondant à l'écran. Waouh, c'est le meilleur des biscuits que j'ai jamais mangé. Ouais, moi aussi. 10 sur 10. Il y a même des petites noix dedans, c'est super bon. Un peu salissant par exemple, je prendrais bien une napkin. J'ai pris 3 ramen différents et des extra nouilles pour ces deux-là à Guillon. Celui-là c'est au homard. C'est quoi? Dorade. Puis celui-là c'est porc et sardine. C'est leur classique. Puis il y a 3 sortes de miso. Hey, ça pourrait être fou l'esthétique. Tu prends ça, toutes les nouilles. Des gastronomies depuis 1682. De Noël. Paris. Voilà la première. Tini. Philippe Conticini. Philippe Conticini, elle souffre comme ça, et puis voilà comme une porte de garage. Elle est plus sobre, plus petite, plus luisante. Nous allons maintenant vous démontrer l'éclair de génie qui m'est passé à travers la tête. Elle est luisante, elle est plus raffinée au niveau du détail. Elle a un petit écusson de chocolat. Bon, là l'idée c'est de mettre 5 portions là-dedans. Oui. Est-ce qu'on le fait à la fourchette ou on le fait à la bouchée? C'est ça, c'est à la bouchée. Alors, je n'ai pas envie de manger l'éclair de génie, je pense. Moi, que ça je va veux bien gâcher. La ça va gâcher. La texture. Ouais, éclair de génie. Here I come. Alors, elle n'a pas de trou de remplissage. Ça doit être par en haut, d'abord. Peut-être ici au bout. Non, mais ils l'ont peut-être rempli par en haut. On peut voir l'intérieur. Pas mal. L'intérieur est très mou. Hein? L'intérieur, il est très mou. Oui. Très liquide. Très pudding. Ah, pudding, ok. Pas très crémeux. Hein. D'Aloyo. D'Aloyo. C'est celle que j'ai la dernière achetée et celle que j'ai eu le plus d'espoir. Que... Alors, le dessus est plus solide déjà. Il sent plus sucré, plus sucre en poudre. Sucre en poudre. Quoi? Ouais. L'intérieur est moucheux. Pour l'instant, la deuxième est préférée. Je préfère la deuxième que la première. La première, j'aime son côté liquide, mais. La deuxième est meilleure. Ouais, c'est ça. La pâte du premier était
Elle, j'ai moins d'attente, mais ah, on voit les trous de remplissage. Elle, il y a trois trous de remplissage. Elle est la même, la pâte est au chocolat. Ouais. Ouais, elle est vraiment bonne. C'est-tu mousseux ou plus dur l'intérieur? Plus beurre. Plus beurre. Mmh, on a trois sortes alors. Nous, la première, je ne prendrai pas, les deux autres, sans problème. Il y a deux bougies. Il y a, pas, il y a des maladies qui ne sont pas... Ceux qui croustillent à la mousse. Ouais, mais les morceaux sont plus gros que les plus gros. Le croustillant du dessus, du chocolat du dessus, il est très... Moi, je mettrais elle la première. Je ne me rappelle plus c'est quoi les noms. Mais celle-là, la mousse, c'est la meilleure. Ma préférée était la numéro... Deux ou tout chocolat. Les deux dernières étaient bonnes. La première seulement qui était un peu sauce. Les deux dernières étaient bonnes pour moi. Moi, ce qui était tout brun, ouais, ça serait ma deuxième. Ma première, ce serait la mousseuse. Puis en dernier, c'est celle qui était... Donc voilà. Bon, la première que tu as goûté. Parce que qu'est-ce que j'aimais de celle qui était toute en chocolat, elle avait comme un goût vraiment de genre amer, un peu de cacao, ouais, mettons. Moi aussi, je trouvais ça intéressant. Ouais, ouais. C'était stylé. Puis l'autre, ben, était juste genre... Ah oh oui, maman. Bonne. Bonjour. Je vous présente la maison Cédric Grolet Opéra. À Paris. C'était le seul qui restait. Ouais. Tartelette abricot. En fait, c'est qu'on était proche. On venait d'aller à une petite affaire, une petite librairie japonaise. Puis là, je regarde. Ah, on est à 5 minutes de marche. Alors, on est allé. D'habitude, il y a des méga files. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de files. Et quand on est arrivé, il restait juste 3 tartelettes abricot. Et quand on est parti, il en restait 2. Alors, ça, c'est pas un abricot, c'est une confiture, crème. Une mousse, une mais crème. C'est l'abricot quand même. L'abricot. Ah, il se coupe. C'est le coup de combien? Alors, tu peux regarder l'intérieur. Moi aussi. Fait que là, sur le dessus, c'est plus mousseux. En dessous, c'est plus consistant, dur, mais genre comme une gelée. Ah, mais ça va être un abricot complet en dessous. Un demi-abricot. Ah oui, sûrement, oui. On voyait du monde qui préparait ceux de demain dans la boutique. On voyait du monde qui travaillait. Ah ouais? Mais ça sent pas, genre, je peux tuer. Non, il la croûte. Ah, ok. C'est bon. Est-ce qu'on serait, on devrait savoir le prix ou si ça fait trop mal? Je vais vous dire si c'est bon. Après avoir goûté cette bouchée-là. C'est pas vrai. Fini. C'est vraiment pas trop sucré. Je peux avoir 10? Oui, 10. Dans sa texture, c'est quand même simple dans sa texture. Dans son goût, dans sa texture, était quand même assez simple. Mais comme... tout est parfait. Mais c'est tout équilibré, bouchée. Ouais. Simple, mais la croûte dans le fond, parfaitement équilibré. Et vraiment croustillant. Il y a une petite touche comme de spéculoos, un petit peu. Ouais, c'est vrai. Puis la crème est très douce, ouais, super onctueuse. C'est une tarte citron. C'est peut-être une crème mélangée avec une meringue italienne. Ouais, c'est ça, on dirait un peu une meringue comme sur, le, bon. Sur une tarte. Puis l'abricot, c'est vraiment du vrai abricot. C'est genre un mariage. Petite nerf, ça fait Match made in heaven, comme Edana dirait. Puis là, tu penses que tu vas être tu vas avoir Quoi? 48 euros. Alors, Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Non, sérieux? 17 euros. C'était 17 euros. Oh, ok. Alors, c'est une expérience one time in a lifetime. Jamais, parce que... Hélène, comment son nom, c'est les filles? La... de vertu, ouais. Alors, c'était notre dernière journée à Paris. Demain, on prend l'avion pour Montréal. Je pense que notre avion décolle à 2h. Hein? 2h, ouais. Fait qu'il y a 14h. 2h PM. Au PM, c'est 14h. Puis, il faut être là-bas à. Il faut partir à 10h. Alors, comme vous pouvez voir, on a décidé pour ce voyage de voyager particulièrement léger. Ça, c'est mon petit livre de chevet. Fait quoi, c'est vrai? Ben ouais, il est petit, il rentre. On part où, là? Alors là, on a genre 45 minutes de bus à faire, de train, whatever, pour se rendre à l'aéroport. Alors, pas besoin d'expliquer ce qui se passe. Boum! Non, mais un sac oublié. Et à Paris, on n'y est pas, on détruit le sac. Alors l'armée est là et on peut plus passer. C'est tout bloqué, on peut pas aller acheter des pâtisseries.
finalement, la file était super longue et à cause du bagage perdu qui a duré genre 45 minutes et qu'il y a des polices qui tournaient autour, ben, on était dans le bord de manquer notre avion. Mais tout le monde est correct, parce qu'on est ici. On est arrivé à Montréal. Oui! T'es content, Félix? Oui, oui. Mais il faudra juste qu'on trouve notre Tim Hortons puis notre poutine. Là, on a dit qu'on est trop moins ici, donc on va avoir le temps. Non, mais quand même, le Tim Hortons, là, c'est quand même une chose importante pour moi en tant que Canadien. Comment est-ce que tu te sens? Je suis contente, je suis joyeuse. Félix, c'est très bien ça. Costco, c'était mon magasin préféré. Là, je le sais plus. Je suis mélangé. Ah, Kips? Oui, je trouve Kips. Non, Okov. Je préfère Okov que Kips. Ah, OK. Ah, anyway, on est pour faire comme la tradition le veut, prendre notre poutine. Premier repas, poutine. Alors, on prend un coin deep et on bouge, vas-y. Ah ouais, d'accord. C'est bon. Et voilà, notre souper, premier souper au Québec. Yeah. Et donc là, on est à la salle super BG de Louis et machin. Puis, ben ça, il y a plein de miroirs partout. Puis le mec, là, il y avait un ego, là. Voilà. Un ego de fer. Ah ouais, n'est-ce pas, Eden? Ouais, c'est ça. Donc, on était ici, un beau plancher. Des beaux miroirs, un beau plafond. Il y a même des mecs à poil, des fois. Je peux vous montrer ça, les amis. Oui, c'est ça, là. Il y a plein de statues partout, là. Un mec avec un ego de fer. C'est moi qui fais le son en arrière. Je suis back vocal depuis des années. J'ai fait une carrière, en fait, au début, chez les maisons Simons et Simons en voie extérieure, et j'ai été à l'Université d'architecture sonore de Paris en 1832, lorsque j'étais mythomane.